Harry et Meghan, 9 chambres, cours de tennis, piscine, dépendance. Leur incroyable manoir dévoilé. Du grand luxe pour toute la famille. Arrivés aux États-Unis après leur départ fracassant du Royaume-Uni, le prince Harry et Meghan Markle ont trouvé refuge dans un manoir de Monte Quito, en banlieue chic de Los Angeles, où ils vivent depuis 3 ans désormais. Une maison très surveillée mais dont les luxueux détails ont été révélés. Leur petit coin de paradis. Parti de Londres dans la précipitation entre 2019 et 2020, leur fils Archie, à l'époque âgé de quelques mois, sous le bras, s'y estit à Monte Quito que le prince Harry et Meghan Markle ont trouvé refuge il y a presque 4 ans. La banlieue chic de Los Angeles, très prisée des stars, leur a offert la discrétion qu'ils cherchaient. Et un manoir hallucinant, payé 14 millions de dollars, dans lequel ils vivent toujours aujourd'hui. Un manoir particulièrement protégé, très attaché à leur vie privée, notamment pour préserver leurs enfants, Archie, 4 ans, et Lilibet, 2 ans. Ils font particulièrement attention à ne pas trop en dévoiler sur leur intérieur même dans leurs projets professionnels. S'il accepte parfois des interviews en visio tournées dans l'immense bureau familial, où l'on trouve une superbe cheminée en pierre. Ils avaient par exemple emprunté une autre villa du quartier pour tourner les interviews de leur série documentaire, Harry et Meghan, sortie sur Netflix. Cependant, plusieurs détails complètement fous ont été dévoilés par la presse américaine, et notamment que le manoir de 1670 m² possède 9 chambres et 16 salles de bain, ainsi qu'un immense bureau. Décoré de façon élégante, avec des touches de modernité mais aussi des éléments victoriens selon les experts, il contiendrait de nombreux détails luxueux, dont des chaises en ivoire ou des couvertures à plusieurs milliers de dollars. Ainsi que de nombreux bouquets de fleurs, qui colorent les immenses pièces. Plusieurs dépendances, des espaces pour les enfants. À l'extérieur, on trouve également un court de tennis, une belle piscine et une aire de jeu pour les deux bambins, qui doivent y inviter leurs amis. La maison est aussi dotée de plusieurs dépendances dont une tea house, une maison d'amis où l'on trouve 2 lits et un cottage pour les enfants. Dans le jardin, une roseraie et des rangées d'oliviers font le bonheur des deux propriétaires, qui ne doivent absolument pas avoir envie de retourner à Londres. Ou de déménager tout court, alors qu'on leur prêtait un temps l'envie de partir pour Malibu, leur porte-parole avait tout de suite réagi, « Il n'y a aucune volonté de leur part de déménager à Malibu ou n'importe où ailleurs », a-t-il déclaré. Et même si Meghan, qui s'est soignée et sentie libre dans cette maison, préférerait sans doute se rapprocher du cœur de Los Angeles pour reprendre sa carrière, il ne risque pas d'abandonner ce petit paradis.